Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 88 de la balade astrale consacrée à la nouvelle lune en Sagittaire du 12 décembre 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'attachez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le cycle lunaire précédent en Scorpion nous a conduit dans les profondeurs de notre être, afin que nous allions trouver notre Graal, notre personnalité véritable, nos envies les plus profondes, ou encore de prendre conscience de tout ce qui nous entrave dans notre réalisation personnelle. La période de la pleine lune en Gémeaux jusqu'à cette nouvelle lune en Sagittaire pouvait être considérée comme une période de régénération dans laquelle nous avions l'occasion et la possibilité d'ajuster les pièces de notre puzzle ensemble et de faire émerger un nouveau moi. Et c'est ce qui nous est proposé à présent dans le cycle lunaire en Sagittaire qui démarre. C'est le moment de laisser s'exprimer et briller ce nouveau mois. Le 12 décembre 2023 se produit donc la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Tout comme le Sagittaire est conquérant, ce nouveau cycle lunaire nous encourage à explorer de nouvelles aventures, à nous lancer dans des projets passionnants, à semer les graines qui germeront durant l'hiver pour naître au printemps prochain, nous laissant ainsi le temps de mettre les choses au point en attendant. Et quand je précise que nous aurons le temps, c'est parce que la Lune et le Soleil seront conjoints à Mars au moment de la nouvelle Lune, et que cette configuration pourrait bien engendrer davantage d'impatience et de réactivité en augmentant la volonté de changement. Donc rappelez-vous que nous aurons le temps, même si vous semblez pressé actuellement. Quand la nouvelle lune se produit dans le Sagittaire, elle apporte avec elle une atmosphère de positivité et d'optimisme propre à ce signe. Une invitation à explorer de nouveaux horizons et à plonger dans des concepts métaphysiques qui élèvent notre conscience. En ce moment, notre vision devient particulièrement claire, propulsant notre énergie vers des sommets vibratoires. Il arrive parfois que nous ressentions une perplexité face à des réalisations qui tardent à se concrétiser ou à des situations qui semblent inexplicables. Cette nouvelle lune agit comme un catalyseur, brisant les dernières barrières qui nous retiennent prisonniers, nous libérant pour que nous puissions pleinement nous accomplir. Il s'agit de faire confiance, non seulement à ceux qui nous entourent, mais aussi à nous-mêmes et à nos vérités et intuitions les plus intimes. Cette nouvelle lune nous donne la confiance intérieure dont nous avons besoin pour apporter les changements nécessaires et voir nos visions prendre vie. Des barrières qui se lèvent, un optimisme qui revient, l'envie de changement qui se profile sont autant de caractéristiques de cette nouvelle lune qui nous propulse vers l'avant. Un peu comme la lave jaillissant du volcan, dévoilant sa présence à tout ce qui l'entoure. C'est vraiment le moment de renaître de nos cendres et d'exprimer qui est notre être intérieur véritable dans toute sa splendeur. La Lune, le Soleil, Mars seront en carré avec Neptune qui a repris sa marche directe quelques jours auparavant. Et cet aspect pourrait suggérer de la confusion et des incertitudes. Aussi, cette nouvelle Lune en Sagittaire et le cycle lunaire qui s'ensuit nous invitent à observer le chemin qui se dévoile devant nous et à nous laisser porter par le flux des énergies plutôt que d'aller trop vite en s'obstinant dans une voie qui finalement n'est peut-être pas celle que nous devrions emprunter. Le carré de ces astres est une énergie nous rappelant de rester ouverts d'esprit et connectés à nos intuitions et aspirations profondes, et qu'en faisant cela, nous pourrions au cours du mois lunaire être surpris des opportunités qui se présenteront apparemment à l'improviste, ou encore de découvrir de nouvelles façons de faire certaines choses qui seront alors plus productives. Un carré qui suggère également de laisser tomber le voile de l'illusion, de lâcher définitivement le masque que nous portions afin de montrer notre véritable caractère, notre véritable potentiel et même notre véritable image au-delà des filtres. Neptune, ayant repris sa marche directe, nous entraîne dans les rêves, les intuitions, les désirs, dans l'exploration de l'inconnu. Il nous rend idéalistes, compassionnels, mais nous rend aussi manipulables ou malléables. La Lune en Sagittaire, elle, élève l'enthousiasme et nous conduit vers l'authentique, la recherche de vérité. Alors oui, le carré Lune-Neptune peut nous rendre confus,
hésitants, tendus entre ce que nous voudrions, croyons, comprenons, désirons et ce qu'il se produit réellement et concrètement autour de nous. On peut alors se sentir en décalage et ne pas comprendre ce monde qui nous entoure. Cela peut également conduire à vouloir fuir la réalité, s'enfuir ou se réfugier dans nos rêves où règne un monde meilleur et idéal. Un monde dans lequel nous sommes ce que nous voulons être avec nos désirs accomplis. Certains semblent alors sur leurs petits nuages, évitant les défis de la vie, leur responsabilisation. D'autres faisant des projets fous, d'envergure, y croyant dur comme fer, alors qu'ils surfent sur une vague d'illusions qui ne les conduira nulle part. Mais avec ce carré Neptune-Lune, la fine frontière entre réalité et illusion peut tellement passer inaperçue. Un carré entre les deux planètes des sentiments, des intuitions, qui peut amplifier notre émotionnel dans des très hauts et dans des très bas, créant également une confusion dans ce que l'on ressent réellement. Et il nous faudra tenter de trouver ou maintenir notre équilibre émotionnel. Rappelons également que Vénus transite actuellement le Scorpion et qu'elle participe aussi à ce travail de trouver et maintenir notre équilibre émotionnel. Ainsi, cette nouvelle lune en Sagittaire a ses bons et moins bons côtés. Toutefois, elle a une énergie qui nous fournit une clarté mentale nécessaire pour dépasser les blocages, dépasser les illusions et atteindre la confiance dont nous avons besoin pour faire des pas de géant vers le véritable objectif de notre vie. Il sera crucial d'appliquer un discernement attentif dans les interactions émotionnelles et dans la recherche de vérité. C'est vrai que Neptune peut créer toutes les illusions, et la Lune en Sagittaire peut être encline à une confiance un peu trop excessive. Aussi, n'oubliez pas de prendre du recul pour toujours évaluer objectivement les situations, quelles qu'elles soient. Profitez de cette période de nouvelle lune en Sagittaire et l'ensemble du cycle en Sagittaire qui s'en vient pour faire le plein d'optimisme, pour être comme la lave qui jaillit du volcan, pour laisser briller votre lumière intérieure, pour vous libérer des dernières barrières qui peuvent encore vous retenir prisonnier et pour vous accomplir pleinement. Et rappelez-vous toujours que le voile de l'illusion est tellement fin qu'il faudra rester au plus près, au plus juste de vos ressentis, de votre intuition, sans passer dans l'autre côté et vous perdre dans l'illusion. Dans quelques jours, nous entrerons dans la saison du Capricorne, un signe concret, un signe lié à la structure qui nous permettra d'utiliser l'énergie de ce cycle lunaire en Sagittaire pour aller plus loin dans la réalisation de nos rêves, d'aller plus loin dans notre volonté de changement, d'aller plus loin dans la révélation de nous-mêmes. Aussi, soyez vraiment prudents durant quelques jours jusqu'au début de la saison du Capricorne et vous profiterez nettement plus des énergies de ce cycle lunaire en Sagittaire à partir de là. Toutefois, en attendant, profitons de cette confiance intérieure qui se révèle, qui se réveille. Profitons de cet optimisme qui peut nous envahir. Profitons pour explorer de nouveaux horizons, pour ouvrir nos consciences à de nouveaux concepts. Car c'est tout cela qui pourra conduire à l'émergence d'opportunités que nous pourrons concrètement voir saisir dans la saison du Capricorne qui s'en vient. C'est le moment d'en finir avec les voiles de l'illusion, d'avoir conscience des tensions entre rêve et réalité et du voile qu'il y a entre deux. Ayez conscience de la confiance excessive que vous pourriez développer face à des trop belles promesses. Dans tous les cas, restez toujours juste envers vous-même, en accord et en harmonie avec qui vous êtes vraiment au fond de vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et un très bon cycle lunaire. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.